à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Je veux, oui, je veux chanter mon Sauveur. Oui, la Bible dit, yon jou na suspend chante nyo. Voix n'arrêter sans ne pas chanter. Mais avec Christ dans la gloire qui va pour nous, jou ça, tout ça que nous avons cherché. On a prié ensemble matin. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, ou même qui vivent d'éternité en éternité, ou même qui créent toute bagaille, ou même qui ont tout pouvoir matin, ou qui toute puissance, ou qui toute science, nous baissez bien bas pour nous saluer. Dans le nom de Jésus-Christ petit tout qui gagne victoire sous la mort et qui crie au mort où est ta victoire, au mort où est ton aiguillon. Et c'est sous même rubrique ça, matin, nous sommes capables de crier au maladie où est ta victoire, au pandémie. Où est ta victoire? Ô mort, où est ta victoire? Car la victoire de la mort, la victoire de la maladie, la victoire de la pandémie, tout ça a été englouti par la puissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Lui maintenant qui vit au siècle des siècles, qui est au ciel à la droite de son Père. Il nous intercède. Il est notre avocat auprès de Dieu. Quand Satan nous accuse de quelque chose, il est toujours là pour nous défendre. Il n'a pas jamais perdu dans plaidoirie. Matin, nous fait louange pour vous, Seigneur. Matin, avec voix nous, nous chantons non. Matin, Seigneur, nous levons au piro. Parce que toute bagaille qui t'a existé. Nous réaliser pas gagné ni avant ni après ou pas gagné en mi-temps ou même seulement ou fait un cercle et ou combler tout cercle. Non, c'est ça que fait ou pas partager louange ou pas partager gloire ou ni honneur que vous méritez. Maintenant, c'est comme ça, Seigneur, nous profiter pour nous lever bien haut. Pendant que nous avons offert comme un sacrifice vivant, nos bien-aimés frères et sœurs, qui jusqu'à présent, en dépit de tout, ont lutté, ont gardé la foi, n'ont pas abandonné le cours, malgré vent, venté, malgré tempête levée, malgré l'orage grondé, mais pourtant, ils sont toujours sur la route. Des fois, ils baissé pour voir yon passé, yon courbé comme un roseau. Adversaire a pensé que c'est tombé ou tombé. Mais ou ba yon le bras et yon fait surface pour continuer route là avec. Et nous tout merci pour tout ça. Et nous connaissons yon a continué kembe men nous pour nous arriver jusqu'au bout. Pour nous arriver, Seigneur, à destination finale. Côté Seigneur, pas bien de l'eau dans les yeux encore. Côté douleur, nous avons suspendu. Oh, gloire à Dieu. Côté pape qui crie encore. Côté l'amour, kaba, maladie, peine, souffrance.
humiliation, tribulation, tout bagage ça y a fini. C'est la joie, l'amour sans fin dans la présence du Seigneur. Matin Seigneur, aide-nous kembe pour nous arriver. Il y a pile de tentation sur route là. Il y a des découragements. Il y a des ennemis sur route là, Seigneur, tribord par bord. Yo barre nous devant, à gauche, à droite, comme pas derrière. Le Seigneur nous connaît. Confiance nous, c'est dans oublié. On va prendre sous zèle. Et on va voler avec nous. Et yo même, yo va camper en bas. Y a gardé nous même qui pourra aller avec le Seigneur. Maintenant, nous demandons grâce au Seigneur. Nous demandons pardon pour faute nous et péché nous. Oui, Seigneur, nous ne pouvons pas rentrer dans la présence sous sans la confession. Sans faire la confession de nos fautes cachées, de nos iniquités, de nos transgressions. Car vous dites pardon pour les gens qui ouvrent la bouche, qui confessent ses fautes. Et heureusement, Seigneur, tu n'as jamais gardé le souvenir de nos péchés, comme a dit le psalmiste. Seigneur, si tu gardais le souvenir de nos péchés, qui pourrait subsister devant ta face? Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu t'es sauvé nous du péché. Merci, Seigneur, parce que jusqu'ici, tu nous as secourus. Merci, jusqu'ici, nous sommes en vie. Merci, Seigneur. Nous demandons de posséder nos corps, âme et esprit. Pour les ouvrir bouche pour nous parler, non. Pour ces babagay pas nous n'a dit, mais c'est ça qui sorti dans où que nous traversons, nous n'a répété. Acceptez-nous dans le moment d'étude ça. Et tout le monde qui attendait, les serviteurs, qui a recevoir dicté de vous-même pour passer, faire passer avec peuple, vous capable, Seigneur, posséder entièrement et pour me faire passer message ça, non. Si la yo qui part avec nous matin, on connaît. N'a pas demandé de visiter. Les États-Unis en crise. Crise politique, crise économique, crise sociale. À tout caractère, il y a une crise. Crise gouvernementale. Oui, Seigneur. Ou même seulement capable de dire un mot. Pays d'Haïti qui est en crise. Bandits armés, gang, tribo pa bo, a fait la terreur, moun pa ka marcher dans la nuit comme la journée. Yo kidnappé pauvres, yo kidnappé riches, yo kidnappé moun ki gen moyen, yo kidnappé moun ki sans moyen, yo kidnappé moun ki bien habillé, yo kidnappé moun ki mal habillé. C'est pas vini ou ki pou sauver ou, parce que ce sont des ravisseurs, des loups affamés. Cap chercher moun pour dévorer. Seigneur, jusque Zakan, ou ap mette bouchou dans ça. Jusque Zakan, Seigneur, ou ap privé pour déposer, Seigneur, la pointe de tes pieds sur la terre d'Haïti. Un pays qui connaît assez, en terre de souffrance et de misère. En terre qui a soifé de ton intervention. Seigneur, nous connaissons bien, et la Bible dit nous, rien n'est impossible à celui qui croit. Et rien n'est impossible non plus à Dieu. Fais manifester ta présence sur la terre d'Haïti. Afin que les Haïtiens, tous les Haïtiens sachent que tu es le vrai Dieu. Le Dieu qui dit et qui fait, le Dieu qui promet et qui donne. Ainsi nous te prions, également pour toutes les autres nations. Ramenez cœur au salut éternel. Ramenez cœur à la repentance. Ramenez cœur à la conversion. Au moins, n'a qu'on ait des moments de paix. Au nom de Jésus, nous t'en prions, à lui et à lui seul reviennent la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Nous bénissons Seigneur à matin hein, pour grâce li fait nous pour nous capable encore une fois dans présence li avec vous frère Maxime yo. C'est un privilège et tout à fait exceptionnel. Et chaque fois nous ouais nous dans présence Seigneur hein, et comme moi dit chaque dimanche pas gen personne qui capable oser dire dimanche prochain que n'a pas là. Et sinon dit dimanche prochain n'a pas là d'ici bon Dieu veut. Parce que c'est lui même seulement qui gen provision la vie nous dans même. Et chaque semaine il fait provision pour la vie spirituelle non et autres. Et me comprendre matin les Jérémie écrit dans lamentation de Jérémie. Il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Me comprendre? Il dit là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Le monde entier tellement couvert de péché. Donc, si la grâce de Dieu n'est pas plus que péché nous, eh bien, il n'y a pas de personne qui t'a pris sous terre. Et si bon Dieu n'est pas renouvelé, bonté, miséricorde, l'amour pour nous chaque matin, parce que ça le bat nous aujourd'hui, avant même 24 heures de temps passé, nous avons gaspillé, nous avons épuisé, nous avons tellement fait causer. Mais dans son amour infini, il connaît bien que nous c'est des monde qui a gaspillé grâce li, n'a gaspillé bonté, n'a gaspillé miséricorde li, et bien chaque matin, il renouvelle bonté li envers nous, il renouvelle compassion envers nous et c'est ça qui fait matin en moi-même avec nous là. De ce fait, nous gagnons un privilège pour nous étudier ensemble dans quelques minutes qui était devant nous la parole de Dieu qui est la source vivante, la source intarissable pour ceux qui croient en Jésus-Christ. La semaine dernière, ou bien dimanche dernier, nous t'ai entamé le jugement des non-croyants. Et même Jean nous t'ai fini, dans vous passez avec le jugement des croyants. Et je vous dis, hein, nous comptons mettre fin au jugement des non-croyants. Cela veut dire que jugement de ceux-là qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et nous te quoi, dimanche dernier, nous sommes capables de finir, mais ça n'a pas arrivé. Mais nous pensons, je vous dis, hein, nous avons fini avec le jugement de nos croyants. Que nous te joignons dans Apocalypse, chapitre 20, les versets 11 à 15. Nous te expliqué qui côté jugement ça a fait. C'est devant le grand trône blanc de Dieu. Ça, c'est pour les non-croyants. Et il faut que nous. Rappelez-nous que nous t'ai dit, jugement des croyants, yo même c'est devant le tribunal de Christ. Et nous t'ai dit également, dimanche dernier, qui le jugement ça la prend place li. Nous t'ai parlé de tout ça. Et nous t'ai dit qui est-ce qui a jugé dans le jugement ça. Mais maintenant, nous gagnons comme question concernant le jugement de nos croyants. Quel sera le but de ce jugement? Quel sera le but du jugement de nos croyants? Quant au jugement des croyants, nous croyons avoir dit que le but de ce jugement c'était tout simplement pour recevoir des récompenses. Des récompenses à ceux non seulement qui ont cru en Jésus-Christ, mais qui ont travaillé, qui ont été motivés
d'une façon ou d'une autre et qui ont une conduite chrétienne et qui ont fait un service spécial pour le Seigneur. Autant que je me rappelle, nous avons mentionné les trois domaines selon lesquels les croyants seraient jugés. C'est bien les motifs et la conduite et ensuite le service. Donc maintenant, aujourd'hui, nous ne sommes plus en face du jugement des croyants. Nous sommes bien au contraire en face du jugement des non-croyants. Et la question que nous avons à nous poser ce matin, c'est quel sera le but du jugement des non-croyants? Pour qui ça, jugement ça? Il faut qu'il y ait un but pour un jugement. Il ne faut pas carrer le pour juger ou par contre pour qui ça pour juger. Il faut qu'on but, il faut qu'on raison. Donc, n'a répondre tout simplement. But jugement pour nos croyants, yo. L'aime dit nos croyants, moi parler des inconvertis. Moun qui pas jamais gen chance repenti. Moun qui pas jamais gen chance pour accepter Jésus-Christ comme maître, sauveur et seigneur. Moun qui pas jamais remettre la vie yo entièrement à Dieu. Moun qui pas jamais détourner de mauvaise voie yo pour te quitter ça ou t'a fait qui mal. Et pour te venir joindre Jésus-Christ qui t'est capable effacer péché yo et pour te bailler la vie éternelle. Donc on te dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui qui est le chemin, à savoir Jésus-Christ. Donc le but du jugement de nos croyants, c'est pas pour déterminer qui est cap sauvé ou qui est qui perdu. Il faut bien comprendre ici que toute bagaille déjà classée. Toute bagaille déjà classée, c'est pas dans jugement ça on va décider qui est qui pral dans paradis ou qui est qui pral dans l'enfer. Mais jugement ça c'est pour confirmer. C'est pour sceller que moun sa yo ki retrouve yo mouri sans Jésus-Christ, eh bien, yo se des moun perdu et yo se des moun qui pral passer éternité yo dans les temps de feu ou encore la seconde mort ou encore l'enfer éternel. Là où il y a un ver qui ne meurt jamais. Là où il y a un feu qui ne s'éteint jamais. Là où il y a des graissements de dents. Là où il y a des démangeaisons. Là où il n'y a pas de confortabilité. Là où tout est douleur, peine et misère. C'est tout ce que nous pouvons dire de cet endroit, à savoir l'enfer éternel, l'étang de feu, la seconde mort. C'est tout ça que nous sommes capables de dire de l'enfer. Pour les gens qui ne pas croient que l'enfer existait, ce n'est pas un endroit que personne n'a aimé aller, parce que la Bible décrit comme un ver, ver qui a piqué les gens qui n'ont jamais mouru. La Bible définit ou décrit comme un du feu qui ne va jamais éteindre. Et pendant que je dis ça, ça rappelle moi avec un témoignage vivant, je suis capable de partager avec vous. Il y a un prédicateur, disons, un évangéliste. Monsieur était toujours dans les coins des rues. L'a prêché, l'a évangélisé. Et puis pendant la marché, la prêché, il arrivait dans un carrefour. Et puis il t'a prêché de l'enfer. Et qui t'a profité du matin,
L'enfer, c'est le sujet Jésus-Christ prêchait plus dans toute la Bible. Pour les gens qui ne connaissent pas. L'enfer tellement d'importance pour bon Dieu, pour les gens qui soi-disant dit bon Dieu est un Dieu d'amour, il est un Dieu miséricordieux, il n'y a pas de personne dans l'enfer. Eh bien, son sujet, Jésus-Christ prêchait plus l'enfer. Ce n'est pas ni l'argent, ce n'est pas ni l'or, ce n'est pas ni plaisir, mais l'enfer qui est destiné à tout le monde qui n'a jamais accepté Jésus-Christ comme sauveur, maître et seigneur. Et pour retourner au témoignage que je viens de parler, pendant le prédicateur est arrivé dans le corner et puis il a prêché, et puis dans le corner, il a gagné une grosserie ou bien un délit. Il a une boutique. Côté, il vend pain, il vend jus, il vend sandwich. Ou vend tout bagay moun ka manje. Et puis pendant la prêche de l'enfer, la di avec moun ka passe avec les passants, l'enfer réel. L'enfer c'est pour un côté personne ta désiré aller. Parce que son côté ou tourmenté matin, midi et soir. Et si un moun ta gen moun li remè, c'est pour ta prier pour lui constamment jusqu'à ce que lui sauve l'homme de l'enfer. Monsieur a prêché. Et puis pendant que monsieur a prêché, rempli du Saint-Esprit, parole lui a vini. Et puis, un jeune garçon qui a sauté dans la boutique là, avec un sandwich dans la main, il fait puis acheter avec une bouteille, vous comprenez, soda dans la main, la bré. Et puis pendant la bré bouteille, soda, la mangé sandwich, le camarade a continué à prêcher l'évangile. Il a dit l'enfer existait, frère, soeur, ou besoin convertir, ou besoin repentir pour sauver le monde de l'enfer. Et puis monsieur dit comme ça, si il y a l'enfer, c'est sous terre. Monsieur reprend l'évangéliste, le prédicateur, il dit, si tu as l'enfer, c'est sous terre. Pour ça, n'a pas passé là. C'est sous terre qu'il y a l'enfer. Oui, souvent dans ça, Mounio dit, l'enfer est sur la terre. Et puis, immédiatement, sans réfléchir, bon Dieu, tu as mis la parole ça dans la bouche prédicateur. Pour dire, hé, hey, Zomim, non, l'enfer pas sous terre, parce que dans l'enfer pas de sandwich. Dans l'enfer pas de soda. M'espérer l'enfer te comme ça. M'espérer que l'enfer te manger. M'espérer que l'enfer te boisson gazeuse. M'espérer que l'enfer te jus. M'espérer que l'enfer te plaisir. Combien de monde qui t'a voté pour aller dans l'enfer? La Bible pas décrit l'enfer comme un lieu quand on prend une boutique ou pas acheter soda ou pas acheter sandwich ou pas acheter pain, café, viande pour manger. La Bible dit son côté douleur, peine, misère. Là pour tout temps gétant. Donc maintenant nous voulons dire frère Maxem, c'est pour un bagage capable de jouer avec. Même si mon a parlé, malheureusement c'est là au final train dans l'enfer. Une seconde après, il a réalisé qu'il est dans l'enfer. But guess what? It's gonna be too late. Ce sera trop tard. Une seconde après, il est au final dans l'enfer, il a réalisé l'enfer est réel, mais ils n'auront pas à se repentir. Il sera trop tard. Et c'est pour ça matin, hein? Moi je viens de dire, pendant que vous avez la vie, pendant que vous avez conscience, pendant que j'ai beaucoup fermé, vous avez des paroles, ça vous mettez en application. Gon l'enfer éternel et gon paradis éternel. Et c'est à nous de choisir avant que même la mort vienne frapper à notre porte. Comme moi, so di ou, bu jugement ça, c'est pas pour déterminer qui est-ce qui parle dans l'enfer ou bien qui est-ce qui parle dans le paradis. Tout bagage ça ou qui te fait déjà. C'est seulement pour confirmer. Qui j'aime te capable de dire ça pour mieux expliquer? Ou besoin font voyage, ou besoin à la Paris, ou besoin à l'Haïti, et puis qui sont fait? Ou rele en compagnie aérienne, pour soit ou rele American Airlines, ou rele JetBlue, ou rele toute compagnie sa yo konnen qui fait vol soit pour France ou bien pour Haïti. Qui sont fait? Ou rele yo, ou di yo, ou vle achete ton ticket. Et puis question yo pose yo, yo mando ki kote ou vle aller.
Lorsque fin dire qu'on va aller au Madonna qui a porte ou voulez passer parce qu'il y a plusieurs aéroports. Soit sur New York. Ou pral aller en France, ou pral Haïti. Ou ka prend JFK Kennedy Airport. Ou capable passer par la Guardia mais qui pas mener en Haïti soit faire escale. Peut-être ou capable prendre dans la Guardia Airport cap mener en soit Florida et puis de Florida étant parce que pas gagner un vol international la Guardia c'est sûr. Mais dans JFK ou prendre un avion cap mener en Haïti ou capable aller tout dans New York Airport qui dans New Jersey. Ou capable faire ça. Qui plus près pour aller soit en France ou bien en Haïti. Mais là il faut finir acheter ticket. Alors agent cap parler avec quoi? Li mande ki koto pour aller ou dit le pour aller en Haïti ou bien à Paris. Li mande ki apporte tout à l'heure mais ki apporte pour voler de ki apporte voler pour aller. Donc ou dit mais ki apporte pour voler, il mande ki l'heure qui vol ou vle. Et il dit mais qui vol li gen. Et puis tout bagage c'est top. Et puis qu'on y a acheté ticket. Ou gen ticket nan mou. Lò fin gen ticket nan men on se mak frèm. Alléluia. C'est pas l'on rive nan airport la pour aller parti. Yo dou vol là c'est à 6h. Donc comme son vol international, d'habitude il faut qu'on a 2 heures de temps avant. Si son vol domestique, ça veut dire que si c'est aux États-Unis on va voler, il doit mettre là 1 heure de temps avant. Donc comme son vol international, ou la 2 heures de temps avant pour checker, pour toute bagarre, ok. Mais même le fort qu'on est matin, hein, il doit planifier toute bagarre pour. C'est pas l'arrivée dans l'aéroport là avec ticket en main. Il prend le mandat qui compte voler aller. La paix bon Dieu avec vous. C'est pas l'arrivée dans un porte là ou pas le mandat dans qui est porte ou voulez voler. Il est déjà dans ticket. Donc yo seulement prend ticket dans mon pour vérifier que c'est yo dans monde la paix bon Dieu avoir qui prend monter avion ça pour aller soit à Paris ou bien Haïti. Son jugement de nos croyants veut faire le clair pour comprendre. C'est pas côté au parlement d'où est-ce que tu reçois Jésus-Christ, on connaît ça déjà. Seulement ticket ou gen dans mon nom, yo parle du remien ou qualifié pour rentrer dans là pour rentrer dans l'affaire. Parce que ticket dans mon déjà. Avant tu fait mes yeux ou tu acheté ticket. C'est pas l'homme mourir pour acheter ticket pour aller dans paradis. C'est pas l'homme mourir pour acheter ticket pour aller dans l'enfer. Avant yo fermé ou connaît qui ticket ou gen dans nom, ou connaît qui a pas droit passer et ou connaît destination. Donc si tu acceptes Jésus-Christ comme maître sauveur et seigneur, destination c'est paradis éternel. Mais si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme maître sauveur et seigneur, destination c'est pour l'enfer éternel. Donc le but du jugement de nos croyants, c'est pas pour faire décision sur le ciel ou pour parler dans l'enfer. C'est pour faire décision pour confirmer si quelqu'un dans mon nom ou pas gagner pour l'autre destination, c'est pour l'enfer éternel. Donc matin, c'est pendant que je suis calé, pendant que j'ai conscience. Pendant qu'on connaît aujourd'hui, c'est dimanche, on connaît demain, si Dieu veut, c'est lundi. C'est dans le moment ça pour prendre décision, pour qu'on ait voyage, on fait. L'élan mort, maréo, pour qu'on ait qui qu'on doit aller. Donc, on sait, cap devant le grand tribunal, pas tribunal, cap devant le grand trône blanc. C'est pas là où on prend faire décision pour paradis. Mais yo pral confirmer ticket nan men yo a avion captain yo a avion sa algon seul côté le pralé. C'est droit pour l'enfer. Nan jugement hein? Jean wè nan vision nan Apocalypse chapitre 20 le verset 12. Jean wè un paquet livre. Il dit comme ça j'ai vu des livres qui furent ouverts. Et puis il dit moi, ouais, on l'autre livre. Mais le livre, ça a relé livre de vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le texte, ça dit comme ça que moun sa yo, y a jugé selon zèv yo. Dans verset 12. Selon sa yo te fait. Et, monsieur est certain, dans pile livre sa yo, Jean ouais, dans vision, hein? C'est le livre qui est œuvre moun sa yo la dan. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il n'y a pas de secret pour Dieu. David, tu comprends que y a un secret pour mon Dieu. Lorsqu'il était allé chez Bathsheba pour commettre un péché si grave, en tant que roi d'Israël,
David caché, il fait péché pour lui-même, pas de personne qui voit. Mais Dieu, bon Dieu, lui enveloppe tout l'univers. Dieu, bon Dieu, lui voit tout ça qui a passé de tous côtés. Et c'est ça que fait David pour écrire le psaume 139. Gloire à Dieu. Dans le psaume 139, David dit comme ça: Seigneur, qui côté m'a allé loin présence? On nous fait regarder. Pour les gens qui comprennent, ils ont caché devant mon Dieu. On regarde ça, David dit dans le psaume 139. Je ne vous pas caché. Si je ne connais pas, ou pas connais pas mieux, mais bon Dieu connaît. Je ne vous pas mieux, je ne vous pas, pas caché. David fin fait péché, il pensait que pas de monde qui veut. Et fois, pas de monde qui veut. Mais bon Dieu, cap gardé. Psaume 139. Bon Dieu délégué un serviteur pour aller contre David. Il dit David, pour moi, tel gens fait tel gens. Et les bon Dieu vient ouais bagala pas caché. Les David vient ouais bagala pas caché. David vient réaliser que c'est lui-même qui te pensait que bagala pas parler, bagala pas ouais, il te fait la cachette. Et bien pour bon Dieu, il n'y a pas de secret. Mais ça David écrit dans le psaume 139. Il dit: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Moi même pas pour voir ça pour me sonder pour me connaître. M'kono à partir de ça qui sort dans bouche. Et des fois, ça qui sort dans bouche, c'est hypocrisie. Yo n'est pas sincère. M'kono à partir de réaction. Et des fois, réaction, yo n'est pas sorti en non. C'est émotion. Il dit: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Combien de monde l'aime là, me coucher, me chita ou connaît? Personne. Mais bon, Dieu connaît. Mais continue pour le dire: tu pénètres de loin ma pensée. De loin ma pensée. Dieu pénètre de loin notre pensée. Pendant nous aux États-Unis là, bon Dieu a pénétré pensée moun qui en Haïti. Pendant que bon Dieu en Haïti a béni peuple qui a adoré le matin, il a pénétré pensée moun qui aux États-Unis. Dieu est omniprésent, il est partout en même temps. Ça fait pas grand caché pour lui, frère Maxime. Ne vous y trompez pas. Il n'y a pas de secret pour Dieu. David continue dans son nom pour le dire: tu sais quand je marche et que et quand je me couche. Il dit: si et tu pénètres toutes mes voies. Il dit: car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au Éternel tu la connais. Avant même qu'on ouvre bouche pour répéter ton bagage. Oh, quelle est cette omniscience! Quelle est cette omniscience de Dieu! Avant même qu'on répète ton parole, bon Dieu, tu connais ça qui parle sorti dans bouche. Rien n'est pas caché pour lui. Et il dit: tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. C'est ça qui fait ennemi n'a pas qu'à pour toi aller. Parce que bon Dieu entoure devant et derrière. Les ennemis ont passé devant, ils rencontrent avec bon Dieu. Les ont passé derrière, ils rencontrent avec bon Dieu. Et les là, ils pour mettre mes sous, mais bon Dieu, ils sous. Matin, c'est pour garantir que bon Dieu a servi. C'est pour mon Dieu, je vais être lié, mais c'est un bon Dieu qui est puissant, un bon Dieu qui est capable de faire merveille dans la voie avec la vie matin. Et il dit comme ça que. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Verset 7. Mais quand David t'est trompé, il dit: où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Et si je me couche au séjour des morts, te voilà. Il dit: si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Il dit: si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Mais qui bon Dieu, on va cacher pour lire. Mais qui bon Dieu, on comprend nous qu'à fuir devant sa face. Vos œuvres, mes œuvres, nos œuvres, leurs œuvres. Il y a un livre ça. Et maintenant, si pas bon écran, l'autre a dit même pas songer, non? Et puis, Seigneur, paraît, il a dit, mais qui va dire? Ou après, c'est vous-même. Même l'autre a dit 5 ans, 10 ans, ou après, c'est vous-même. Même si chez vous, t'es peint, ou après, c'est chez vous, pas de fête, ou après, parce que après, c'est vous-même. Et ça, pas capable de mentir. Parce que tout sera à découvert. Tout sera nu. Pas de secret. C'est ça que fait matin,
ou même qui te prend plaisir de faire mal, repentir ou pas faire mal, suspendre faire mal. Parce que plus vous faites, c'est plus livre là, gagnez œuvre. Et si vous gagnez œuvre, ou mes yeux mettez dans le livre ça, faites de bonnes œuvres. Faites de bonnes œuvres. Dans le livre ça, vous œuvre tout le monde là. Mais pourtant, dans le livre de vie, ce n'est pas tout le monde qui est là. Moun sa yo qui campait devant le grand trône blanc, non, yo pas dans le livre là. Le livre de vie. C'est tout ce qui est fait sous terre pendant le pèlerinage ou pendant la vie ou sous terre. Tout ce qui est fait bien mal. Tout ce qui est fait. Je vous. En pile moun, majorité dans nos croyants, l'on parle de l'évangile, ou parle de l'enfer, yo senti yo emmerdé. Et gen même qui croit œuvre yo ka sauvé yo. Gen moun ki croit nan bay, gen moun ki gen en pile moun ki célèbre, yo gen pile kòb, yo fait don pour orphelinat, yo fait don pour moun ki nan besoin, yo fait don pour bâtir de grandes écoles, de grandes universités, comprendre, de grands hôpitaux. Yo fait don, mais ça pa ka sauvé yo. Et nous chantons souvent si je parlais le plus parfait langage. Même si m'ta bay tout bien pour yo nourri pauvre yo. Alléluia. Mais si m'ta gen charité, si m'ta gen l'amour, tout ça yo passé comme rien. Même si m'ta bay tout ça m'gen pour maté en frère Maxime. Même si m'ta bay vim pour si m'ta gen Jésus dans vim, l'enfer droite. L'enfer droite. Well, live vient. C'est le livre qui gagne là dans tout le monde qui est destiné à vivre dans la joie et dans la gloire éternelle avec Dieu dans le paradis. Donc, les livres qui furent ouverts, c'est le livre que toutes œuvres Mounsayo qui est un candidat pour l'enfer, c'est la œuvre Yoshita. Mais dans le livre de la vie, le livre de vie, c'est pour Silayo qui a accepté Jésus-Christ pendant le pèlerinage sous terre, où tu fait la paix comme le brigand à la croix à la dernière minute. Il confesse ses péchés, il dit Seigneur, nous connaissons ça me fait pas bon, mais soyez au bon là pas mérité. Songez, l'on va rentrer dans la gloire. Et puis même côté, Jésus-Christ répond lui, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Well, attendez. Dans Luc chapitre 10, le verset 20, voilà ce que nous allons lire. Luc, le chapitre 10, le verset 20. Gene bagay n'ont pas fait éloge pour yo. Paul, quelque part, il dit que ça, si à sujet de me vanter, je me vanterai et j'aurai raison de me vanter. Même pas vanter, parce que c'est la grâce qui m'a été faite par Dieu. Il y a un pile monde qui a vanté tête yo. Et disciples pendant avec Jésus-Christ, yo ils vont côté, yo a baïté yo gloire. Tendez ça bien frère, yo a baïté yo gloire parce que yo prié avec malade guéri. Yo prié avec boiteux au marché. Yo prié avec aveugle, avec yo ouais. Yo prié avec moun qui était pas qu'attendait soud yo tendez et puis monsieur retourne venir joindre Jésus. Tendez compliment que yo a fait dans Luc chapitre 10. On regarde ça. Si il y a un sujet pour glorifier matin, c'est glorifier le nom de Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Ce n'est pas personne l'autre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un frère, ce n'est pas un contribuant, mais c'est l'éternel des armées. Dans Luc chapitre 10, mais qui ça nous lit? Et on regarde dans verset 18 d'abord. Jésus dit, monsieur, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis,
mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Sûrement, monsieur est sorti, il a sorti évangélisé, il y a des gens qui sont malades, il a prié avec eux. Et puis il a dit, Seigneur, regardez-nous, nous prions avec malades guéris, nous étonnés, nous prions avec nous chassés démons. Jésus-Christ dit, attention, attention, attention. Vous n'avez pas besoin de trop content parce que vous priez à malade. Vous comprenez ça, vous comprenez? Vous comprenez à travers cette portion de l'écriture. Cette portion de l'écriture. Vous comprenez que les gens, même si vous priez à malade, malade, guéri, ça ne veut pas dire qu'il a sauvé pour ça. Parce que Jésus-Christ n'a pas intérêt pour le dire, monsieur, ne vous réjouissez-vous pas de ce que les malades sont guéris, les boiteux, au marché. Sous Dieu tendez, mais réjouissez-vous au contraire de ce que vos noms, oh alléluia, sont écrits dans les cieux. Et l'elle dit non écrit dans les cieux, ça veut dire ça, ça son synonyme de vos noms se trouvent dans le livre de vie. Ou sauvé. C'est de ce que vous devez vous réjouir. Well, on continue à lire encore dans Apocalypse chapitre 3. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, le verset 5. Apocalypse chapitre 3, le verset 5. Seigneur, merci. Merci de m'avoir sauvé de mes péchés. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé de mes iniquités. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé de l'enfer. Merci de m'avoir sauvé de la puissance du péché. Et merci de m'avoir sauvé des conséquences du péché. Moi, merci au matin. Oui, parce que grâce à vous, moi, candidat pour le paradis éternel. Moi, je vous remercie matin. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 5. Il y a des gens qui sont contents parce qu'ils ont l'argent. Mais vous ne connaissez pas le capitaine yo, au dernier jour. Chapitre 3, le verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra. Moun qui luttait, même Jean-Paul t'a lutté jusqu'au bout. Jésus-Christ dit le pape efface non dans le livre vie. Dans le livre salut. Et il dit la confesse non bah papal devant papal et devant ange papal. Apocalypse 13 le verset 8. Frère pas battre l'estomac au matin parce qu'on gagne des 3 dollars à la banque. Pas battre l'estomac parce que ou ka dit deux mots français et pas humilier moun tout qui pa gagne l'argent. Pas humilier moun tout qui pa gagne éducation que ou gagne. Mais sou ta doit réjouir au matin, réjouir dans le Seigneur. Parce que non, déjà écrit dans le livre de vie. Apocalypse, le chapitre 13, le verset 8, le jugement des non-croyants. 13, verset 8. Il dit comme ça, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Le livre de vie, faut que nous là. Maintenant, c'est pour le continuer, Seigneur. S'il vous plaît, je ne connais pas si nom qui est dans le livre. Maintenant, fais-moi grâce. Min koto. Dis-moi ça, me fait. Si je fais une bonne repentance, si je fais une repentance sincère, pour qu'il écrit nom, Seigneur. C'est ça le nom. Je veux nom seulement. Je vais parler avec mes amis. Mon bon ami. Hier, nous faisons une longue parole. Il dit le bon Zamil. Zamil a dit même si c'est dans la porte là, il t'a campé dans le ciel là pour la pouvoir moun rentrer, il t'a senti bien. Même si c'est job porte là, il t'a joué. Depuis c'est dans le ciel là, il t'a connu la pouvoir porte pour faire moun rentrer, il t'a dit gloire à Dieu. Même si il n'a pas de couronne. Alléluia. Même si il n'a pas de couronne matin, il a travaillé pour une couronne. Oui, mais préférons t'a rentrer dans le ciel sans couronne au lieu de t'aller dans l'enfer. Avec tout son yé sous terre. Apocalypse, chapitre 17, verset 8.
Apocalypse 17, le verset 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Maintenant, ce matin, la question qui nous intéresse, c'est le livre. Ton nom est-il écrit ou inscrit dans le livre de vie? C'est ça seulement, on a parlé, livre de vie. Apocalypse chapitre 20, le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Le livre de vie. Ce n'est pas l'autre livre, il y a pile livre, Jean Wéo, qui est œuvre, Moun Sao la donne. Mais c'est l'autre livre qu'il a vu en vision. C'est ça qui est intéressant, le livre de vie. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, verset 15. Apocalypse 21. Apocalypse 21, le verset 27. Apocalypse 21, le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse, chapitre 21, le verset 27. Mes amis, je ne sais pas combien de fois, vous avez pris attention, le livre de vie est mentionné. Dans combien de textes nous sommes là. Donc pourtant, devant le grand trône blanc, côté jugement non croyant a fait, et bien dans le livre ça, yo pas là. Yo pas dans le livre ça. Yo pas dans le livre ça, frère Maxime. Yo pas dans le livre ça. Et pour ainsi dire, guess what? N'a pas dit un bagage là, peut-être ou pas te comprendre. Ou bien pas te connaître. Ou bien te connaître déjà, n'a pas fait un rappel. Même dans l'enfer, il y a des degrés de punition. Même dans l'enfer, il y a un degré de punition. Tout le monde n'est pas même côté. Tout le monde n'est pas subi même peine. À moins que bon Dieu t'a injustice. T'as un Dieu d'injustice. À moins que bon Dieu t'a injuste. Même dans l'enfer, ça fait soit fait bien. Il y a un monde qui fait plus mal passer l'autre monde. Il y a un monde qui fait plus crime passer l'autre monde. Même dans l'enfer, il y a un degré de punition. Si son chaleur lié, il y a un monde chaleur plus, appétence, il y a un monde chaleur moins. Si son verre qui a piqué, il y a un verre qui a pilon, il y a un verre qui a picoute. Je ne connais pas. I'm just guessing. I'm just have deviné. Well, mais pasteur, l'enfer c'est l'enfer. Ouais, d'accord, avant, bien quand on pose une question ça, l'enfer c'est l'enfer. On regarde pour nous ça le dit. Même dans l'enfer, il y a un degré de punition. Donc, on va regarder ça dans des textes. C'est tout le monde qui t'a retrouvé devant le grand trône blanc. C'est moun sa qui t'a fait choix depuis nan vivant yo pour yo t'aller dans l'enfer. C'est pas l'heure fin mou yo fait choix. C'est yon nan raison nous repousser énergiquement doctrine ça qui dit que les moun nan fin mouri, que son doctrine yo retrouvé si m'pa trompé dans l'église catholique. Yo dit les moun nan fin mouri. On escale mon café, qui aurait le purgatoire. Là, ça a fait des prières pour mon nom, pour mettre mon nom dans le paradis. Oh, tout le monde serait sauvé. Je vais cacher de me prendre plaisir, je vais manger, je vais boire, et puis je vais mettre un petit cobla pour payer le père ou pour faire prière. Avant, je vais me choquer, je vais prier.
et m'dap getan signé un papier pour mettre chouke pa gen moun ni petit moi ni famille pas moyen comme ça parce que comme ça c'est li k ap voye m nan paradis. Mais malheureusement c'est pas prière on prête, c'est pas prière on pasteur k ap voye moun nan paradis, mais c'est selon pendant t'ap vive sou t'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur ou pour aller et sou pas accepté l ou pour aller dans l'enfer. On regarde dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12 verset 47 et 48. Seulement approuvons que les noms d'où fait bien jusqu'à ce qu'on fatigué. Et moun k'ap fait mal yo matin, on voit un message pour yo suspendre fait mal. Parce que plus ou fait mal, c'est plus degré de punition dans l'enfer. Sou pas getan converti, la pied. Et pas grand yo fait tout, même sou vinn sauvé, vous n'acceptez Jésus-Christ, ou pas bien punition pour lui. Péché a pardonné, c'est vrai, mais bon Dieu pas quitté impuni. Car il est juste dans sa sentence, il est sans reproche dans son jugement. Luc, chapitre 12, verset 47, verset 48. Luc 12. Mais qui ça nous lit? Il dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Qui t'aime reprendre encore? Verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, la volonté de son maître, sera battu d'un grand nombre de coups. Verset 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Mes amis, je ne sais pas à travers le texte. Moun qui connaît, ça pour te faire pas de jamfel, moun sa va prendre pile coup. Oh, alléluia. A moun yo bay plus, y a demandé plus. Ah! Alors, croyez-vous que le jugement des pasteurs, l'ange de l'église, sera le même pour les jugements de croyants, de simples croyants, de membres de l'église, un pasteur, moun ki la pour enseigner peuple là, moun ki la pour modèle, ou pas ce jugement là même avec un moun ki t'attend d'elle. Et ça fait là moun a couru pour place dans l'église, par contre ça veut dire moun k'a couru pour chance pour enseigner, par contre la Bible dit moun k'a enseigner yo, faut faire plus attention parce que c'est ou même k'a bail et sauf pas le dire pas le juger. Matin, il y a qui ont des parents, pas vrai? Des parents, des gens qui nous aimé en pile, des amis. Comment on t'a senti pour que des gens qui aimé et pour que les gens apprennent à le faire? Priez pour eux. Évangélisez eux. Pas jamais suspendre prier pour les gens qui ont aimé. Les gens qui ont fait la paix à Christ. Priez pour bon Dieu toucher cœur. Parce que l'enfer, c'est pas un jeu. L'enfer, c'est pas une plaisanterie. L'enfer, son bagage sérieux et réel. Pour nous finir, on regarde dans Luc 13, 3. Luc chapitre 13, le verset 3. Il dit non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Dis ça avec frère qu'on remet en pile, avec soeur qu'on remet en pile, voisin ou yo, membre de famille yo, parent yo. Tonton, ma tante, cousin, cousine, neveu, nièce, grand-père, grand-mère,
C'est pourquoi je me fais la paix à Christ. Dieu a péri. Je parle en enfer. C'est pour que courage pour dire ça. Il y a des gens qui peuvent pour camper devant le monde pour dire sous pas converti, sous pas accepter Jésus-Christ, ou parler en enfer droit. C'est pour que courage pour dire avec sagesse. C'est pour dire repentir des péchés, accepter Jésus-Christ comme sauveur. Sinon, vous pouvez passer toute vie dans l'enfer. Donc, matin, frère Maxime, nous avons pour devoir, en passant, pour nous évangéliser. Parce que nous, responsables, si là, qui pourrons jamais donner des paroles là pour accepter Jésus-Christ. Nous avons pour devoir. Après que nous finissons avec Jésus-Christ, nous avons pas Jésus-Christ parler nous pour nous chita, et puis pour nous faire français, pour nous aller. By track. Nous ne pouvons pas prier un homme, allez, parlez avec eux. Ou pas parler langue yo, bay on track nan langue yo. Y ap lil. Yo li condamnation yo. Yo li salut yo. Yo ka fon choix. Depuis yo te lil. Travail ou fini. Sou ka parler avec yo tant mieux. Mais sou pa ka parler ou pa kon langue yo, bay on track nan langue yo. Bay on bulletin nan langue yo. Ki sont fait pour aider yo sorti nan état yo hier? Ki sont fait pour retirer yo nan péché? Ki sont fait pour yo konnen que bon l'enfer capitaine yo pour yo échapper? De cette affaire. Matthieu, n'a parlé de jugement de nos croyants, bien que nous, nous soyons sauvés, mais nous avons des devoirs envers ceux qui périssent. Oui, nous avons des devoirs pour nous dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que éclairez-nous encore une fois, je veux dire. Seigneur, nous voulons encore puiser davantage dans sousa, source de vie. Seigneur, nous avons une responsabilité. Non seulement nous finons sauvés, mais nous avons une responsabilité pour nous aller de l'autre qui nous avec. Donc, nous demandons désarmer nous de toute paresse, de toute négligence. Et pour nous aller, Seigneur, et même nous avons quitté à disciples, nous dit allez! Allez partout dans le monde. Allez faites de toutes les nations des disciples. Allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ce que nous, nous ne faisons pas. Nous tellement confortables nos chita. Seigneur, aide-nous à avoir des soucis pour les âmes perdues. Nous sentons confortables, trop. Nous sentons, Seigneur, nous venons sauver, ça suffit, mais et pour l'autre. C'est au monde qui t'est venu dire nous que Jésus-Christ bon. C'est un monde qui devine dire nous c'est pour nous dégager, non, pour nous échapper non, nous de l'affaire. Sinon, nous ne pouvons pas connaître. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment a fait la foi dans Jésus-Christ? Comment a fait la foi pour venir accepter Jésus-Christ comme sauveur, maître et seigneur, si on ne pas d'elle? C'est à nous d'aller. Nous refusons d'aller. Nous sommes au seul côté, nous confortables. Retirez par ça la canon, retirez négligence à la canon, Seigneur. Confortabilité ça, débarrassez-nous de lui pour nous aller, dit l'autre. Il y a un enfer à éviter. Il y a une âme à sauver. Seigneur, merci. Merci pour parole. Bénis chaque monde qui t'a entendu parole ça et chaque monde qui prend le temps d'elle. Fais des paroles ça pour yo. Il y a un jardin qui a fleuri. Et chaque fois que vous passez dans le jardin ça, vous jouez assez. Pour yo manger, pour un homme capable de fortifier. Jusqu'à ce que vous arrivez dans le ciel là avec vous. Merci. Nous remettons déjà la semaine dans la main, Seigneur. Nous battons même des espoirs dans la plage aujourd'hui, mais ou des oufels et oufels net. Donc, l'autre semaine, si vous voulez, nous allons remettre les mêmes. Nous avons des provisions faites déjà. Provisions de sécurité, provisions de protection, provisions alimentaires, provisions de toutes sortes. Nous avons fait déjà pour nous capables de traverser ces maintenant en bonne et due forme. Seigneur, merci. Nous t'en prions ainsi. Surtout pour ceux qui sont malades. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne, au siècle des siècles, disons ensemble avec moi, amen. Amen. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fortifie. Amen. Que bon Dieu sauve ou de l'enfer. Et que bon Dieu continue à faire route là avant. Moi, surtout déjà, avec l'amour qui m'a pour vous. Frères, amis, serviteurs. Surtout une très bonne semaine dans le Seigneur. Un très bon après-midi, un très bon dimanche. Et à la prochaine. Si Dieu le veut bien. Merci. Merci. Que grâce, papa, à couvrir vous. Que la bonté dans la vie. Et on va continuer à vivre pour les mêmes seuls. À la prochaine. Merci.